Hey, salut tout le monde, ici Alex et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Planète Expo. Aujourd'hui, hier soir, je suis allé voir le film Ça sent la coupe de Louis Josiot. Le film, il était vraiment bon. Bon, c'est un petit peu le genre du Canadien, mais c'est pas plus important. Alors aujourd'hui, hier, c'est un de mes amis, il s'est acheté un Oyo Sports. Il y avait un Oyo Sports de Dustin Byfuglien. Et il y en avait un double, fait qu'il me l'a donné un pour moi, de Dustin Byfuglien, des Jets de Winnipeg. Dustin Byfuglien, des Jets de Winnipeg, le plus gros placard de la NH. Si vous faites face à Dustin Byfuglien, oubliez ça, vous allez à l'ambulance direct. C'est sur le numéro 33. C'est ça. Alors, j'ai comme mis Boston en mode middle down qui est en train de plaquer Ovechkin qui a la rondelle, qui est en position de la rondelle. Et Tarasenko cherche sa rondelle qui est entre Byfuglien et Ovechkin. Alors, quand même, c'est comme un genre de gros middle down, qu'on pourrait dire. Ou sinon, je suis très satisfait, mais la viseur d'Ovechkin, j'ai perdu. Mais ça va être celle avec Dustin Byfuglien. Vu que Byfuglien ne portait pas la viseur, j'ai mis sur Ovechkin parce que ça veut dire que j'avais utilisé celle de Youpi parce que, c'est facile à s'enlever et c'est tout ça. Excusez. Pas la façon, facile de l'enlever de la viseur, mais c'est juste de le mettre en hauteur comme. Comme la façon que je veux dire, comme ça. Mais, je suis très content parce que, premièrement, j'ai pas un Oyo Sports, c'est Jets de Winnipeg. Et, c'est tellement fun. Mais, par exemple, alors j'ai comme beaucoup de Oyo Sports NHL Mystery Pack. J'en ai eu beaucoup. Beaucoup depuis l'an dernier. Alors, on a Ovechkin, Tarasenko, Landeskog, Parisi, Byfuglien. Ou sinon, j'en avais un autre. Non, c'est ça. Alors, le reste, c'est les joueurs des Sénateurs, y compris ceux du Canadien. Et, je suis très satisfait de mon Oyo Sports de Dustin Byfuglien, qui est un gros plaqueur quand même. Alors, parce que Byfuglien, en ce moment, c'est le plus gros plaqueur de la NH. Byfuglien a joué pour Chicago et quand les Jets sont revenus. Et les Jets l'ont repêché repêchage d'expansion. C'est-à-dire, c'est le même truc que pour les Golden Knights de Vegas. Et à 6h du matin, le 1er mars, je vous dis tout de suite, là, regardez sur TVA Sports si vous êtes abonné. Regardez la date limite des transactions. Et pour moi, le mauvais joueur de tous les joueurs du Canadien, le mauvais à date, c'est Nathan Beaulieu. On devrait l'échanger au Colorado ou à Dallas ou à Edmonton, je sais pas. Mais parce que Beaulieu, ça serait le joueur qui partirait du Canadien. Ou peut-être c'est un petit peu de la faute à Bergevin. Bon, c'est sûr, mais... Ou sinon... c'est ça. Alors, Nathan Beaulieu, il serait le joueur à quitter Montréal. Et qui sera en échange, je sais pas moi, à avoir comme Jordan Eberle ou Ryan Nugent-Hopkins. Mais le Canadien aurait des chances d'avoir Ryan Nugent-Hopkins. Ça serait bon, un échange entre Nathan Beaulieu et Ryan Nugent-Hopkins, des Oilers d'Edmonton. Ça serait un bon échange, mais je vous dis, c'est mercredi 1er mars 2017. Oui, on n'est pas en 2016. 6h du matin, TVA Sport, ça va parler des dates de transaction limite. Je sais pas si Bergy va être là. Mais, par exemple, je sais pas, mais ça dit qu'un petit peu que Galchenyuk, là, il se force pas trop. Il y en a des rumeurs qui disent que, écoutez ça, je veux pas vous fâcher, mais il y en a qui disent que si Montréal échangeait Carey Price, on aurait Crosby en retour. Allez pas croire ça. Allez pas croire ça. Je suis allé voir. Mais c'est juste des fausses rumeurs. Ça dit, si Carey Price serait échangé par Montréal, on aurait Sidney Crosby.
C'est juste une joke pour faire passer aux enfants. Ah, oh, ben, Carey Price s'est changé à Pittsburgh, là, c'est une Crosby. Mais pensez pas à ça, les jeunes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça va jamais arriver. Mais à un moment donné, ça va arriver que Price sera échangé. Là, mais c'est à cause de sa blessure de l'an dernier. Ou sinon, je suis très content de vous présenter mon Dustin Byfuglien en vidéo. Je suis rendu, je crois, à 17 abonnés. Je vais atteindre bientôt les 20 abonnés. Je suis vraiment content de ma chaîne à améliorer depuis de temps en temps, depuis 2 ans. Alors, ma chaîne a vraiment amélioré depuis 2 ans. Et j'ai comme fait le genre de foutu boulot. Ben, c'est sûr, c'est ma charge de tablette. Alors, Mio Sport, j'ai place ici maintenant, en genre de groupe, parce qu'avant, mon Yo Sports était comme ça, et on pouvait voir le parallèle, mais à cette heure, depuis l'an dernier, ben, j'ai placé comme ça, que vous voyez un petit peu plus. Alors, c'était une petite vidéo review de Yo Sports, Dustin Byfuglien. Et qui dit Byfuglien, qui dit plus gros plaqueur, qui dit plus gros plaqueur les nages, qui dit ne devez pas changer d'équipe. Salut tout le monde, on se revoit pour une prochaine vidéo.